Les amis, c'est parti pour World Championship Wrestling Backstage Assault. Un jeu avec une cartouche bleue, un jeu de catch. Un jeu de catch qui est pas top et qui a du mal à marcher. Comment j'ai trouvé moi? Très basique. Très basique. C'est dingue qu'on fasse des jeux pas top comme ça après des grands jeux. Donc nous, ce qu'on va faire, mais il sortait en 2000, hein, c'est qu'on va regarder ça. Electronic Arts. Et puis ben, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Déjà, on n'a pas d'intro. Il n'y a pas d'intro. Ça devient une habitude sur certains jeux. C'est dommage. C'était important, une belle intro. Regardez Banjo-Kazooie, il y a Banjo-Tooie. Bon, on s'en fout. Et puis ensuite, on s'en fout encore. Allez, continue without saving. Exhibition. En fait, on a toutes les explications à droite. Ça, c'est un match. Unlock machin for championship belt. Très bien. No time for recovery, tu affrontes Seven, machin. Tu peux en créer une, tu peux aller dans le hall des champions pour voir tes gloires passées. Et puis tu peux ajuster les game options. Waouh, quel jeu de catch incroyable! Exhibition, one player, difficulté easy, blablabla. Voilà. Et en fait, l'intérêt du jeu, où est-ce qu'il se situe? Il se situe tout simplement dans le fait qu'on ne joue pas dans un ring de catch. On a le droit à plusieurs personnages, certains à débloquer. Des trucs à débloquer dans le jeu. Nous, on va jouer avec Doug Dellinger. Bah, les couilles. Contre lui, là. Voilà, très bien. Et puis, on joue. Regardez, en bas à droite, on a un plan. Par exemple, là, sur ce level. Truck Arena, Loading Bay, Access Denied. Et Locker Rooms, Access Denied. Tout ça, ça se débloque. Donc, nous, on va jouer d'abord sur la Truck Arena. Et puis, vous allez vous apercevoir que le jeu, il est vite fait, quoi. Il est vite fait, il s'est vendu à 140 000 unités, et puis voilà. Et puis voilà, donc en fait on joue dans les coulisses. C'est ça l'intérêt du jeu. Et c'est nul. Donc voilà. C'est que de la castagne. Allez, c'est parti, vous allez pouvoir voir. Attention! Là t'as plein de trucs, des indices pour voilà, t'expliquer ce qu'il faut faire. Donc moi je suis lui là, vas-y. Alors c'est gauche, hein, c'est pour ta paix. C'est bas, c'est pour taper aussi. Bon, il se retient un peu, c'est un peu nul. Hein. C'est haut, voilà, pour choper. C'est B pour choper. Vas-y, il m'a déjà endormi, là. Mais à chaque fois que j'essaie de choper, le mec, il essaie de choper aussi, bizarrement. L'intelligence artificielle m'en empêche. Donc, j'ai jamais réussi à choper. Graphiquement, c'est pas moche. Mais bon, voilà, quoi. Tu peux t'échapper et courir avec R. Donc, on va le faire, là, regardez. Oh, je m'en vais. Et ça déclenche un plan. Au secours! Alors attends, si tu pouvais jouer normal, au bout d'un moment, ça déclenche un plan. À par-dessus. C'est marrant. Vas-y, moi je te tape. Tu me donnes ça. Ouais, j'ai réussi à choper. Oh putain, magnifique. Je l'ai laissé tomber comme une merde. Il s'est couché tout seul. Oh putain, c'est laid le catch quoi. Quelle bande d'andouilles là, à faire les andouillous. Regarde-moi ça, dès qu'il revient, blah! Reversal. Bon, il y a des trucs intéressants, mais c'est vrai que c'est un peu toujours pareil, quoi. Oh putain, mais faut que j'arrête de le choper parce que j'arrive pas à le jeter après. Pourtant, j'appuie sur plein de combinaisons de touches différentes. Avant, moi, je te tape, encore. J'en peux plus des jeux de catch. Je n'en peux plus. Et sur le full set américain, il y en a quelques-uns. Sur full set japonais, il y en aura encore quelques-uns. Hein. Il y aura Japan Pro Wrestling. Ah, oh, j'ai peur. C'est pour mes jeux de catch où je peux fuir. Ça, c'est bon. Il y avait une chaise là-bas, on va la choper. Comment je peux choper la chaise? C'était B. Puis je peux taper avec maintenant. Ça, c'est bon, ça. Cache-toi! C'est vrai, on va le taper par derrière. Regardez bien. Je suis le pire bâtard. Tu vas te coucher, oui. T'as peur, hein? Tiens, avec ta barre, là, tricheur. On prend pas les objets, c'est interdit. Donne-moi la batte. Donne-moi la batte. Voilà. T'es juste des coups de barre par la tronche. Ça va lui faire du bien. Au moins, c'est fun. Prends ça. Aérial opportunité. Je sais pas, moi, comment on fait. Opportunité aérienne. Bah tiens, regarde l'opportunité aérienne. Voilà. C'est nul, putain. J'en ai marre. Prends ça. Des coups de poing. Des coups de poing. Comment ça, Eo? Tu me laisses t'attraper? Il prend cher. C'est bon ça. Max momentum. Tiens, on le retourne. Et puis paf.
Ça fait des chocs à pic. Soumission. Crac. Allez, allez, allez. Ce serait bien que ça s'arrête maintenant, là. Soumission. Comment j'ai géré. Eh ouais, j'ai gagné le match. J'ai gagné. Je suis trop fort. La preuve que j'ai testé tous les jeux de catch. Je suis devenu trop badass. C'est nul. Ouais, ouais, c'est bon. J'ai gagné, là. Passe le... Du moment tu arrives, non, non, exit, terminé. Voilà, j'ai rien débloqué du tout. Faut faire des challenges et du gauntlet. Mais moi, j'ai pas la patience là. Moi, j'en ai marre. Donc, on arrête les conneries, on arrête le massacre. Alors, en tout cas, il aura une petite note mignonnette, mais c'est pas un bon jeu de catch. Et puis, c'est sur cette vidéo qu'on termine le full set américain. Les 64 jeux qui sont pas sortis en France, qui sont sortis en Amérique. C'est plutôt pas mal. Ce qui veut dire qu'on en est à 303 tests et qu'il nous reste 85 jeux japonais. Vous vous rendez pas compte? L'exploit qu'on vient de réaliser. J'aurai bientôt testé tous les jeux du monde. Donc, pour ce faire, on va attendre Zab et puis on va commencer à tester les jeux japonais. En attendant, je ferai peut-être des vidéos bonus avec des volants et des machins. Voilà, on passe à l'ardoise et on passe à la note. C'est parti. Voilà les amis, 12$. Ça va pas chercher très très loin ce World Championship Wrestling Backstage Assault. Intérêt scénario de nuit sur 4 parce que c'est le seul jeu de catch où tu peux te battre en dehors du ring. Et tu te bats dans les coulisses, donc graphiquement c'est moyen, au niveau du gameplay c'est moyen, la bande son c'est moyen, durée de vie, du coup tu vas peut-être y jouer un peu plus que les autres. Donc 11 sur 20, c'est très moyen et c'est très mérité, ça vaut pas plus. Voilà, donc encore un jeu de catch à éviter. Si vous voulez savoir quels sont les deux meilleurs, c'est Revenge et aussi No Mercy, les deux étaient monstrueux. Allez, à bientôt!